Bon, tu vois, ça, c'est un texte donc en portugais. Tu vas le lire d'abord, et puis après, tu as des petites questions à répondre, auxquelles tu vas répondre. Hein? Donc, il faut que tu lises le texte d'abord. Tu sais lire ça en portugais? Vas-y. Uma lua maliosa. Em frente à casa, rapaz, uma rapariga. Joga a bola. E quem é a vez de lançar a bola? Uma discussão explode, atinge a lua, bate nela e desprende a. A lua cai no chão. Que alegria! Agora há duas bolas, uma para o rapaz e outra para a rapariga. C'est très bien. Bravo. Tu lis bien dans ta langue, au moins. C'est très bien. Et toi, alors, est-ce que tu sais lire ça un petit peu? Non? C'est du roumain. Tu connais ça? Tu sais lire ça? Casa. Oui. Et là, tu connais ça ou pas? Pomme. Bah, c'est bien. Onde se joga aí? Onde se joga aí? En casa, en côté à oui. En fata casa. În curtea școlii. În curtea școlii. Oui. Cu bine. Fața casei. Casei. Alors. C'est écrit ici. Est-ce que c'est ça ou bien ça ou bien ça? Je ne sais pas moi. Tu dirais quoi toi? Tu sais quoi? C'est difficile, hein? C'est difficile. C'est difficile. Si tu ne sais pas, c'est pas grave, c'est pas grave. Hein? Je m'appelle Monsieur Gillier. Gillier. Voilà, Monsieur Gillier. Monsieur Gillier. Voilà, c'est mon nom. Hein? J'ai 52 ans et je viens de France. Et puis, je suis professeur. Alors, comment tu t'appelles? Nikeli. Fais-moi la phrase, Nikeli. Je m'appelle. Je m'appelle Nikeli. C'est très bien, Nikeli. Quel âge as-tu, Nikeli? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 8. 8. J'ai 8 ans. J'ai 8 ans. Et tu viens de quel pays? Je viens du ton pays, là-bas. De... Tiens, elle va te montrer, Émilie. C'est pas loin de chez toi non plus. Ah non, pas loin. Oui, très bien. Eh bien, comment ça s'appelle? Comment s'appelle-t-il, ton pays? Zio. Le Brésil. 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 Je viens. Du Brésil. Voilà. C'est nickel. Comment tu t'appelles? Oana. Voilà. Je m'appelle. Oana. Très bien, Oana. Tu viens de quel pays, Oana? Je viens. Je viens de Roumanie. De Roumanie. Et toi, comment tu t'appelles? Joe. Dis-moi tout. Je m'appelle. Joe. Encore. Je m'appelle Joe. D'accord. Quel âge as-tu, Joe? 10. 10 ans. J'ai 10 ans. J'ai 10 ans. D'accord. Tu viens de quel pays? Est-ce que tu connais ton pays? Non. Non? C'est le Congo-Kinshasa. Le Congo. Ouais. Hein? C'est ça? Tu viens du Congo? Est-ce que tu peux trouver le Congo sur la carte? Je sais pas. Tu ne sais pas? Alors on va le trouver ensemble alors. Hein? On va aller le chercher. Alors montre-nous à peu près déjà. Est-ce que tu sais à peu près où ça peut être, le Congo? Non? Alors je vais t'aider. Alors, tu vois, il y a Congo-Brazzaville, et puis il y a l'autre Congo aussi qu'on appelle le Congo-Kinshasa. Toi, tu viens du Congo-Kinshasa. Quand tu pourras, tu me ramèneras une petite photo, et puis on mettra ta photo à côté de ton pays. D'accord? Tu veux bien? Ouais.
Oui, eh ben c'est bien. Merci, Joe. Alors, Joe Kasangana, hein, c'est ça? Oui. Donc, il a 10 ans. Alors, est-ce que vous pouvez me donner sa date d'arrivée en France? Enfin, le mois au moins. Le 15 même, mars. 15 mars. D'accord. 15 mars. Et vous m'avez dit qu'il n'avait pas été à l'école pratiquement au Congo, hein? Bon, il partait à maternelle. D'accord. Après avoir quitté le pays, il ne partait plus. Maternelle, première, primaire aussi. D'accord. Et ça, tout petit peu. Au Congo. D'accord. Alors, il a fait un petit peu de maternelle, c'est ça? Oui. Et un tout petit peu d'élémentaire au Congo, hein? C'est ça? Alors, évidemment, il parle français quand même, puisque là-bas, on parle français. Parle un peu. Voilà. Oui. Hein? Oui, on voit. Mais déjà, par rapport à d'autres, pour moi, c'est bien. L'objectif de ma classe, là, nous sommes au mois de septembre, c'est qu'au mois de juin, le français soit plus une langue étrangère pour eux. Qu'ils comprennent tout et qu'ils se fassent comprendre. Voilà, ça c'est mon objectif, ok? Mais il y a aussi tout ce qui est à côté. Ce que je veux déjà, c'est qu'ils soient contents de venir à l'école. Ça c'est important. S'il y a quoi que ce soit, je lui ai dit à Joe aussi, il faut qu'il me le dise. S'il y a un souci avec les autres enfants, ou s'il y a un souci à la maison, ou si vous, vous avez besoin de me voir, il faut venir me voir. Vous pouvez, je suis là tôt le matin et je pars tard le soir. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Je suis sûr que oui, parce que j'ai beaucoup parlé. Peut-être, hein. C'est pas grave. Hein, excuse-nous, excuse-nous. On va se mettre bonjour par là-bas. Bonjour les enfants. Entrez, entrez. Vous avez dit bonjour. Venez, on va passer là-bas pour que vous vous le voyez. Asseyez-vous, c'est bien. Donc je vous avais dit que M. Juillet venait aller. Voilà, excusez-moi, hein, je vous interromps quelques minutes. C'est pas grave. Venez par là. Venez nous présenter les nouveaux camarades. Voilà les enfants. Alors j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Oui. Vous attaquez le CE1, c'est difficile, hein, faut vous accrocher. Et puis comme l'année dernière, quand vous étiez au CP, je vais avoir besoin de votre aide aussi. Et puis de l'aide de la maîtresse. L'année dernière, en CP, vous aviez accueilli des élèves de ma classe, vous vous rappelez? Oui. Hein? Donc bah, cette année, je vais vous demander aussi d'accueillir un petit garçon cette fois-ci. Alors, il est là, bien José, bien. Bien arrivé ce matin. Bonjour José. Bonjour madame. Bien. 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 Il faut bien prendre le français quand même. Oui, mais juste pour le début, un petit mot en espagnol, ça fait du bien, j'imagine. Voilà. Donc je vous présente José, qui vient d'Espagne, donc lui, il est proche de nous, hein, l'Espagne, il y en a peut-être qui sont partis en vacances en Espagne, non, personne? Oui. Oui? Bon, voilà. Donc, il va faire partie de votre classe, il ne pourra pas travailler avec vous tout de suite, puisque évidemment, il faut qu'il apprenne le français. Par contre, tous les matins, il va monter avec vous, se ranger avec vous, il va venir faire l'appel pour la cantine, pour l'étude, etc. Et puis après, dès que votre maîtresse va faire des choses un peu plus compliquées, eh bien, il va redescendre dans ma classe. Alors, je ne connais pas bien José, puisqu'il vient d'arriver ce matin. Par contre, bah, dans la cour de récréation, tout à l'heure, les garçons, si vous voulez venir le voir et puis lui dire, allez, tiens, on va jouer un petit peu. Hein? On ne peut pas le parler parce qu'on ne sait pas parler espagnol. Eh oui, alors tu as raison, c'est pas facile. Après, pour jouer, tu sais, généralement, même si on ne parle pas la même langue, on arrive à jouer ensemble. Tu viens le chercher par la main. Et puis, il va de, et puis de toute façon, il va apprendre très vite. Et c'est grâce à vous qu'il apprend aussi. Parce que dans la classe, il n'y a que moi qui parle français.
Hein? Alors, bah, c'est bien qu'il entende des enfants et des adultes parler aussi français. Donc, c'est pour ça que je dis que j'ai besoin de vous à chaque fois. Parce que tout seul, on avancerait moins vite. Voilà. Alors, on va dire au revoir, madame. Au revoir, maman. Au revoir, je fais la télé, mais pas pour autant. Vous dites au revoir, je sors. On va descendre par ici. Je vous avais demandé, les enfants, de m'apprendre la petite phrase qui était en bas de la page. Vous l'avez apprise dans votre tête, Jo? Tu l'as apprise? Oui, monsieur? Oui, monsieur. Alors, on va essayer de l'écrire sur le cahier, sans la regarder. Hein. Regarde, est-ce que tu l'as apprise, celle-ci, Wana? Tu la connais, celle-ci? Maru est un chat. Tu peux me l'écrire, ça? Maru? Oui. Ici, là. Maru. Alors, à toi, ma grande. Est-ce que, Joe, tu sais l'écrire dans l'écriture du cahier? Alors, qu'est-ce que tu ne comprends pas, mon garçon? Alors, bah, comment ça s'appelle, ça? C'est le... Ah, la radio. Mais là, dans notre histoire, ça s'appelle comment? Le... Eh bien, voilà. Sur la deuxième ligne, parce qu'on va mettre dictée. On va mettre dictée. Bon, alors, mes lunettes sont là. J'arrive. Michaeli. S'il te plaît. Alors, Maru est un chat. Ah, d'accord. Alors, c'est pas tout à fait comme ça, hein. Là, tu me l'as écrit comme tu le prononces dans ta langue, hein. Moi, je lis Maru. Et puis là, je lis U, tant, ça. On va mettre un point à la fin. Alors, c'est pas tout à fait comme ça. Alors, tu vas ouvrir ton livre de Ratus. Où est-ce qu'il est, ton livre de Ratus? Prends-le, le livre. Attrape ton livre, Oana. Prends le livre. Il est là, tiens. Voilà. Et puis, tu vas ouvrir à la page de la dictée. Ouvre ton livre. Jo, ça y est? Voilà. Tu vois, la dictée, elle est là. C'est comme ça qu'il faut que tu m'apprennes. Tu vas le corriger avec ton stylo vert. Hein? Prends ton stylo vert, s'il te plaît. Ouvre ton livre de lecture. OK? Alors, est-ce que vous avez appris ça un petit peu à la maison, les mots? Est-ce que vous connaissez? Vas-y, Niroshan. Une fenêtre. Une fenêtre. On a la fenêtre ici. Oui, la fenêtre. Joe? La maîtresse. La maîtresse. Est-ce que Oana pourrait me dire quelque chose? Non? C'est pas grave, sinon tu dis je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Voilà, c'est pas grave, hein. C'est bien déjà. Mademoiselle. Le préau. Le préau. Ah, ça, c'est difficile, le préau, hein. Le préau, c'est quand il pleut. On se met sous le préau. Dans notre cours, le préau est un peu petit. Alors, je vais vous donner une autre feuille qui va être sur la classe. Donc, dans la classe, on retrouve qui, cette dame, c'est... On la connaît. La maîtresse. La maîtresse. Et alors, la table de la maîtresse ou la table du professeur, comme ma table, moi, ça s'appelle un... Bureau. Alors, il me faut le U aussi, là. Bureau. Bureau. Le bureau. Bureau. Non, il faut un U. Bureau. 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 Oui, c'est mieux. Bureau. Voilà, on va le refaire. Vas-y. Bureau. C'est bien. Bureau. Essaye de me dire avec le bureau. Le bureau. 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 Parce que quand on parle, il faut bouger la bouche. Comme ça, hein. Si j'ouvre la bouche, je vais faire un... Ah. Ah. Et si je fais comme ça, je vais faire... Ouh. Ah oui. Donc, quand on parle, on est obligé, hein, de bien articuler. Voilà.
qu'on a fait sur la reproduction avec la règle, les figures là, avec les points. Alors on continue. J'en ai trop. Déjà, ça s'est fait tracé. Ryan, t'as terminé ? Brisé. On s'applique, on fait ça proprement. Allons enfants de la patrie. Allons enfants de la patrie. Le jour de gloire est arrivé. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie. Contre nous. Redressez-vous, pas être mou hein, pour chanter les enfants, faut être réveillé. Entendez-vous dans les campagnes? Entendez-vous dans les campagnes? Rugir ces féroces soldats? Entendez-vous dans les campagnes? Prochain, une semaine, c'est le 11 novembre. Et le 11 novembre en France, on ne travaille pas, il n'y a pas d'école le 11 novembre. Parce que c'est une fête. Alors c'est pas un anniversaire, enfin si c'est un anniversaire, bon c'est pas une fête où on va se lancer des confettis. C'est une fête qui fête la fin de la guerre. La fin de la guerre, vous savez ce que c'est la guerre? Oui. Oui. La guerre c'est quand des pays se bagarrent avec d'autres pays. Alors très longtemps, la France, on a fait la guerre contre les Allemands. Ah, oh, ça a été longtemps, hein. Alors, on s'aimait pas bien. Ils étaient à côté de chez nous, pourtant, l'Allemagne. Et le 11 novembre, là, chaque 11 novembre, on fête la fin d'une guerre qu'on a fait contre les Allemands. Alors, on chante. Chaque pays a une chanson de son pays, qui représente son pays. Nous avons aussi une chanson qui représente la France. Ça s'appelle la Marseillaise. Ah oui, toi, tu mets la main comme ça, hein. Souvent, on met, hein. Même les footballeurs, des fois, ou les sportifs, tu sais, quand ils gagnent une médaille, il y a le drapeau qui monte, et puis on entend la musique, puis des fois, ils... Voilà. Moi, j'ai jamais connu. Vous voyez, j'ai 52 ans, j'ai pas connu la guerre, hein. Tant mieux. Oh, ben non, oui, c'est bien. Toi, tu as connu au Congo-Kinshasa? Ah oui, certainement, peut-être, hein. C'était difficile. Qu'est-ce que tu as vu, par exemple? Je ne sais pas, on est si, pas dans ta tête. Qu'est-ce que tu as vu? Des hommes qui se bagarraient, ou... Oui. Alors, ben... Des hommes qui se bagarrent, des êtres morts.
Et c'était quoi, dans la ville où tu habitais? Oui. Alors qui est-ce qui se bagarrait contre qui? Les blancs avec les noirs. D'accord, d'accord. Bah oui, mais bien sûr, ça existe. Les? Les blancs contre les noirs. Oui, bah ça existe, hein, la bagarre comme ça. Et alors, toi, tu étais où? Dans ta maison? Tu oui. restais à la maison? Oui. Est-ce que tu avais peur? Oui. Bah oui, c'est normal. D'accord. Donc toi, tu as connu la guerre. Il y avait la balle partout. Il y avait des balles partout. Ça fait peur, hein? Il y avait des balles partout, hein. Feuilles par terre, regardez toutes les feuilles d'automne là. Oh là là, les feuilles jaunes, marron, marron clair, marron foncé. Bogdan, on n'est pas en Ukraine quand même, Bogdan. Venez par là. Allez, on avance. Allons-y. Ah oh, bah tu vas ramasser après. Hein. Moi je prends les châtaignes. Alors, comment s'appelle ce qui rentre dans la terre, on a dit, là, pour tenir le chêne? Non, alors le tronc, c'est ça, le tronc, tu veux dire, le tronc. Pas le fond, qu'est-ce que c'est le fond? Oui, Joe. Le tronc. On répète, les enfants? Voilà, le tronc. Et là, par terre, qu'est-ce qui rentre dans la terre, on l'a vu, c'est là. Racine. Les racines qui rentrent dans la terre. Et en haut, il y a les branches. Après, il va falloir soulever les feuilles pour trouver les châtaignes. Hein. Alors voilà de la mousse. On en a parlé, la mousse. C'est comme un petit oreiller. Pour dormir. Et la mousse, c'est toujours à l'endroit où il fait le plus froid. Donc là, si on regarde l'arbre, c'est ici. Que l'arbre a toujours le plus froid, le froid vient de par là. Alors on va en ramasser. Et à côté, il y a des petits champignons, regardez bien. Et tout marron. Je vais le sortir, je vais vous le montrer. Voilà. Regardez. Qu'est-ce que c'est? À ton avis? Niroshan, tu sais, non? Moi, un champignon. Champignon? C'est un champignon, Niroshan? On va les regarder. Voilà. Alors, si on en trouve, on m'appelle, hein? D'accord, monsieur. Ok. Faut que je le crasse pour pouvoir t'aider? Oui. D'accord, c'est fait. Et c'est très, très joli. Et là. Attends. Tiens, Emily. On y va. Allez, on y va. Les au vent de l'automne, les feuilles s'envolent et volent au vent qui les prend. L'hiver agite froid, ils sont dans toutes nos feuilles, et les oiseaux qui sont au bois sans feuilles, ils n'ont plus de toit. Marie, tu vas me chercher forêt. Qu'est-ce que tu vas trouver forêt? C'est forêt. Et regarde. Forêt. Forêt comme farine. Commence par F. Montre-moi. Ben voilà, bien sûr. Attention de ne pas faire tomber les autres. Merci beaucoup. Nikeli, après c'est Nicolas. Nikeli, tu vas me chercher rentrer, s'il te plaît. Rentrer. Ok, merci beaucoup. Jo, semaine, s'il te plaît. Quoi? Oui, oui, Jo, oui, je pense que c'est pas mal. Hein. Semaine.
Semaine. Ah, là, mais c'est juste à côté, là, c'est 7. Sept, oui, ah, vas-y. Semaine. C'était bon, ben, c'était bon. C'est bon. Allez. Merci, Joe. Qu'est-ce que c'est, Joe? Merci, qu'est-ce qui t'arrive, Joe? T'as un souci? T'as un problème? Et qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Qu'est-ce qui t'a embêté? C'est dans la cour encore? C'est dans la classe? Alors qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Bon, tu vas m'en parler après quand on va copier les devoirs. Va t'asseoir. On va voir ce qui t'arrive après alors. Marie, s'il te plaît, il nous en reste. Hein? Tu vas me chercher. Allez, allez, allez. Qu'est-ce qui se passe que tu sois triste comme ça? Pourquoi tu pleures, Joe? Dis-moi ce qui t'arrive. On pleure pas pour rien. Si on pleure, c'est qu'on est triste. C'est parce que tu es triste. Oui? Et pourquoi tu es triste, alors? Hein? Pourquoi tu es triste? Je sais pas. Tu ne sais pas? C'est comme ça? Tu n'es pas content d'être à l'école? Est-ce que tu es content d'être à l'école? Oui? Alors ce que j'aimerais bien, si tu ne peux pas me le dire maintenant, c'est pas grave, mais c'est que tu réfléchisses bien, tu cherches tout au fond de toi, qu'est-ce qui te fait monter les larmes, qu'est-ce qui te fait monter les larmes? Hein? Et puis tu me le dis. Quand tu veux, ce soir, tout à l'heure, ou demain, ou je vais pas t'embêter, hein, plus. Si tu veux pas me le dire, ou si tu ne sais pas, tu vas essayer de chercher bien en toi, parce qu'il y a quand même quelque chose qui fait pleurer. Hein? D'accord? Parce que moi, je suis triste, et puis tes camarades aussi, de te voir pleurer. Tu es un gentil garçon. On t'aime bien. Alors, tu essayes de bien chercher d'où ça vient, puis tu me le diras. Ou si tu veux, tu me l'écris. Ou tu me le dessines. Hein? D'accord? Tu essaieras? Est-ce que tu veux aller t'asseoir? Pour copier les devoirs? Hein? Et coller ta feuille? Oui? Bonjour Mariam, bonjour ma petite poulette, va bien que je te dise bonne année ma chérie, prends pas froid. Hein, ça va? T'as passé de bonnes vacances? Très bien, alors file vite, tu ne prends pas froid. Merci beaucoup. Ça va? Bien, bonne année Mariam! Bonne année! Allez, sortez les affaires ma poulette. Voilà, ah, voilà Juliette à la grande sœur. Comment vas-tu, Julietta? Ça va. Ça va, bonne année? Oui. Bonne année? Oui. Bonne année. Voilà, c'est bien. Bonjour, Bogdan. Oui. Ça va? Bonne année, Bogdan. Merci. Et moi, tu ne me le dis pas? Bonjour. Tu lui as fait couper les cheveux, Bogdan? C'est bien, super. Bonjour, Anouchtan. Bon, quels sont ceux qui ont parlé français pendant les vacances? Levez la main, ceux qui ont parlé français. Ceux qui ont parlé français. Ceux qui ont parlé français. Vous avez parlé français. Vous avez parlé français? Oui. Oui? Avec qui? Avec ma sœur. Ah bon? Très bien, tant mieux. Toi aussi? Avec mon père, avec mon frère. Avec papa un peu? C'est vrai? Ah tant mieux, c'est bien. Nikeli, oui, ça ne m'étonne pas, tu as dû parler français. Wana aussi? Avec papa, avec maman et avec mon frère. D'accord. C'est bon. Est-ce que vous avez fêté Noël? Oui. Oui? Vous avez fait un sapin aussi? Oui. Alors, est-ce que tu as eu des cadeaux? Ne te tiens pas la tête, tiens-toi bien. Voilà, voilà. Tu as eu des cadeaux?
Je sais pas comment il s'appelle. En français? Oui. C'est un jouet, c'est quoi? Un livre, un jeu? Ah, c'est une poupée. Une poupée? Oui. Une poupée, d'accord, très bien. Moi, elle est en Paris. Je suis allée en Paris. Et qu'est-ce que tu as été faire à Paris pour voir quoi? Pour voir le magasin. Les magasins, d'accord. C'était joli? Oui. Bon, alors, on y va, on essaye de lire ici un petit peu. Vas-y, essaye. Il. Tiens-toi bien. Il. A. Est. Dans. Dans. Chut. La. Dans la. La. Rue. Pour. Rue. Pour. Encore rue. Presque ça. Rue. Rue pour. Oui. Il. Oui. A. Vu. 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 C'est ça, oui. Bon. D'accord. Dans ce texte, il y a un mot que tu ne dois pas comprendre. À mon avis, je crois qu'il y a un mot qui est compliqué. Tes camarades me l'ont demandé, toi tu ne me l'as pas demandé. Est-ce que tu peux me lire le texte et puis me dire ce que tu ne comprends pas? Vas-y. Atus a caché le chocolat de Marou dans le four. D'accord. Point. Est-ce que tu comprends la phrase? Ratus. Oui. Ratus a... Caché le chocolat. Est-ce que tu comprends cette phrase? Oui. D'accord. Ensuite. Est-ce que je peux aller le nettoyer à toi? Mais le four est chaud. Chaud. Le four est chaud. Est-ce que tu comprends ça? Oui. Quand nous avons fait cuire les châtaignes, le four était chaud. Hein. On a dit, attention, il ne faut pas s'appuyer. Chaud, le contraire, c'est froid. D'accord. Tu comprends tout. Ensuite. Le chocolat a... Essaye de ne pas tenir ta tête, ma boulette. Fondu. Fondu. Est-ce que tu comprends tout? Oui. Ah bon? D'accord, super. Tu comprends ce mot fondu? Tu sais ce que ça veut dire? Je ne sais pas en français. D'accord, tu ne sais pas en français? Alors, est-ce que tu peux me montrer du chocolat qui a fondu sur l'image? D'accord. Le chocolat qui a fondu, c'est... Oh, il a dégouliné. Comme la neige. La neige, je la prends dans la main. Si je garde la neige dans la main, qu'est-ce qu'il va y avoir qui va couler? De l'eau. Voilà. Donc, c'est cette image-là qu'il faut me colorier. Hein? Voilà. Ça, non. Ça, non, mais tu ne l'avais pas colorié. C'est celle-ci. Tu comprends? Oui, monsieur Gillier. Oui, monsieur Gillier. Eh bien, alors, c'est bien si tu as compris. On a gagné. Pourquoi tu me laisses pas? Parce que toi, tu pars sur moi et tu cries sur moi. Je ne crie pas sur toi, c'est toi qui... Alors, tu me demandes pardon. Pardon. Oh, pardon. Démarrer sur trois chiffres avec retenue ou pas. Attention, Marwa, pas forcément les retenues. Et après, on compliquera un peu, on fera les retenues sur les dizaines.
a fini? Oui. On a fini, Wana? Oui. Au tableau. On va faire la première. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu peux faire 3 moins 7? Non. Non, alors tu dois faire quoi? Tu dois barrer le 3. Oui. Il en reste 2. Oui. Bien. Et maintenant, tu peux faire 6. 6, très bien. 2 moins 2, ça fait 0. Oui. 1 moins 0, ça fait 1. Très bien. Ça va là? Oui. Super. Bon, ça, tu pourras la mettre dans ta pochette. Oh, non. Elle a corrigé. Ouh, la maîtresse, elle dit bien en plus, hein? Donc, si elle a mis bien, c'est que c'est bien. Hein? Voilà, alors ça aussi. Elle a fait beaucoup, hein. Mais qu'est-ce qu'elle a beaucoup travaillé, hein? Oui. Mais t'es resté combien? 8 jours chez ta maîtresse, toi? C'est bien. Tiens. On va écouter Poumika qui va nous donner la date, les enfants, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est lundi 4. À mars, on a fini, on l'a mis à la poubelle. Avril. Regarde-moi. Regarde-moi. Avril. Vril. 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 Non, vril. Vril. Il y a le tiel à la fin. Vril. Vril. Les grands, on travaille, hein? D'accord. Bon, alors juste quelques minutes afin qu'on fasse un petit peu connaissance. Alors bon, il s'appelle Dominique, hein? Il est né en Pologne. Oui. Donc 2010 juillet, là il a 10 ans, il va avoir 11 ans. Il a 10 ans là. Hein? Je peux savoir juste pourquoi ça a été le choix de venir ici, de quitter la Pologne? C'était très difficile en Pologne, son travail. Les enfants qui... L'éducation des enfants dans la petite ville où on habite, elle est très mauvaise. D'accord. C'est une petite ville où vous êtes en Pologne? Oui. On est dans la même ville, même rue. Ah, oui. Moi, je suis partie il y a des années, de là-bas. D'accord. Et puis elle a décidé... Parce qu'ils sont venus une fois en vacances ici. Elle a dit que c'est autrement, ici. OK. Au niveau de l'éducation, quand vous dites là-bas, qu'est-ce que... C'est pas au niveau les scolaire qui... Non. Oui, aussi scolaire, c'est les enfants qui traînent dans la rue, qui disent des grands mots, qui font que des bêtises. Ah, à 16 ans, ils sont déjà en prison, 16-17 ans. D'accord, il y a de la délinquance, voulait, quoi. Voilà, elle ne voulait pas ça pour ses enfants. Elle a raison, elle c'est bien. Elle ne savait pas donc, combien de temps elle tiendrait encore. Elle espère que ça va être mieux, là. Hein. On espère aussi. Oui, c'est déjà mieux. Voilà. D'accord. Je ne sais pas comment ça se passe en Pologne, mais en France, vous savez que l'école, c'est de septembre à juillet, à juin-juillet. C'est pareil en Pologne aussi. Pareil. Donc là, ils arrivent presque au dernier trimestre. Quoi. Ils ont loupé un bon trimestre. Ils seraient arrivés au mois de décembre. Ça n'a pas été possible, c'est pas grave. Hein? Ils sont les bienvenus et on va s'arranger. Ce qu'il y a, c'est que les autres, ceux qui sont arrivés depuis septembre, le français est plus une langue étrangère. Oui, voilà. Alors que lui, il va démarrer de zéro. Mais on va l'aider, hein, c'est pas grave. Donc on se reverra en fin d'année pour voir l'année prochaine où on va pouvoir l'intégrer, puisque vu son âge, il ne pourra certainement pas rester en élémentaire. Hein? Oh là 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 là, ça y est, Santoche, tu peux éteindre la lumière là-bas, s'il te plaît? Hein? Tu peux éteindre, non? Comment tu parles? Tiens, cet après-midi, c'est un petit peu particulier, comme nous avons dit. Nous avons perdu déjà José et Aroa. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Fabrice. Et là, aujourd'hui, c'est notre dernier après-midi avec Poumika et Saï Santoche. La différence, c'est qu'ils ne repartent pas dans leur pays, mais qu'ils vont déménager pour habiter dans une autre ville qui va être un petit peu loin. Alors, Poumika, dis donc, tu es montée chez ta maîtresse tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils t'ont donné, les enfants? Allez, vas-y, ouvre ça, ouvre-le un peu. Ce sont tes camarades qui ont fait ça?
Alors là, quelqu'un va lire ce qu'il y a marqué en grand. Bogdan, vas-y. Et toi? Ah oui, bah enfin tu me dis mon nom. Ah, plus fort, plus fort. Nous avons été très contents de te connaître. Nous te sûrement, non? Nous te... Alors, je vais vous aider. Un bon déménagement. Nous espérons que ta nouvelle école te plaira. Après, j'ai rien compris parce que c'est barré. Nous espérons que ta nouvelle école te plaira. Après, c'est barré. Alors, je finis. Te plaira. Au revoir, Poumika. Et tout le monde a signé. Gabriel, Veissa, Nadine, Candice. C'est un beau cadeau, ça. C'est un beau cadeau, hein. Nous allons lui remettre aussi nos petits cadeaux. Alors, voilà, un petit cadeau de la part de Mirosha. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, on donne les autres petits cadeaux. Merci, on donne les autres petits cadeaux. Passez, allez voir, il va vous donner. Voilà, vas-y, fais le tour. Vous donnez un assaïs sans poche. Qu'on corrigera, mais c'est très bien. J'ai compris tout ce que tu m'as dit. Aujourd'hui, on est arrivé à 15h. Nous avons voyagé 496 km. On a vu la plage, on a joué. On a attrapé des étoiles de mer et des coquillages. Émilie, moi et un animateur a nous aidé à faire un château. Après, on a défait les valises ici. Il y a un point. Ici, il fait très chaud. Je n'ai pas vomi. C'est bien. Et pas pleurer. Et pas pleurer, c'est bien aussi, bien sûr, il faut le marquer. Aujourd'hui, on a allé au mer. Je me suis tout salé. J'ai ramassé des coquillages. D'accord, je me suis tout sali. D'accord. Aujourd'hui, on est allé à la mer. À la mer. Hein? À la mer. Alors il y a quelque chose qui m'intéresserait maintenant, puisque ça fait, nous sommes au mois de mai, pour la plupart ça fait 8 mois que nous sommes ensemble. Alors ce que j'aimerais bien, c'est qu'on s'échange un petit peu des choses, voire maintenant que nous pouvons parler ensemble, ce qui vous a surpris quand vous êtes arrivé en France par exemple, quand vous êtes arrivé déjà dans notre pays, et puis à l'école, ce qui n'est pas pareil que chez vous. Alors qu'est-ce qui t'a étonné toi ? Au Brésil, j'avais deux maisons, qui c'était la maison de mon papa et de ma maman. Et l'autre, c'était de ma grand-père et mon grand
ma grand-mère. D'accord. La chambre de ma grand-mère, elle est très grande et il y avait 5 chambres, une cuisine immense où il y a le réfrigérateur, il y avait 2 toilettes, il y avait une salle grande avec les télés, il y avait une terrasse. Terrasse, salle de bain sûrement, oui. Grande salle de bain. Et ici à Bois-Colombes, évidemment, ça doit être plus petit. Oui. Hein? Il n'y a que 2 chambres. Ma chambre, je partage avec mon tonton et ma tata. Ah, mais oui. Ils vont sortir. Ils vont partir? Oui. Ils vont trouver une autre maison. Bon, vous allez être un peu plus à l'aise alors. Oui. Oana, rapidement, quand tu es arrivée en France, qu'est-ce qui t'a étonné? La Tour Eiffel. La Tour Eiffel aussi? Il m'a fait peur. Ça t'a fait peur? Pourquoi? Parce qu'il était plus grand que moi. Mais quand on regarde une carte postale ou une photo, on ne sait pas quelle est la taille de la chose, hein? Moi, je croyais qu'il est plus petit que moi. Eh oui, bien sûr. Joe, tu nous dis quelques mots? Qu'est-ce qui t'a plu, toi, quand tu es arrivé, Joe? Juste 2 minutes, parce qu'on s'en va. Je sais pas. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont déplu? Toi, tu descends de l'avion, tu te dis, tiens, par rapport à chez moi, ça c'est bien, ça c'est pas bien, je préfère ça. Non, je préfère rien. Tu préfères rien? Qu'est-ce que tu aimes ici, par exemple? Ou qu'est-ce que tu n'aimes pas, ici? J'aime que l'école, c'est tout. Tu n'aimes que l'école? Bah, c'est bien, mon garçon, parce que si on aime bien l'école, on arrive après, hein, dans la vie. Est-ce que plus tard, tu voudras rester en France ou retourner au Congo ou habiter peut-être dans un autre pays? Moi, je vais rester en France. En France? Pour devenir un dessinateur. Ah, dessinateur. Moi, je crois que tu vas bien réussir, là. Hein, parce que tu as du talent. Alors ça, c'est bien, ça. Faut continuer, ça. C'est bien. Très bien. C'est pas bon, hein. Je rigole pas du tout, hein. Arrête. J'ai pas d'amoureux. Mais t'as pas demandé, mais tu dois juste te demander. J'ai pas d'amoureux. D'accord. J'ai pas d'amoureux. D'accord, sinon on dit que c'est toi qui as un amoureux. Mais c'est pas moi, t'es malade ou quoi, toi? Bah oui, t'as l'âge d'avoir un amoureux. Non, c'est toi qui t'as l'âge. C'est Julietta. Non. Ouais, c'est Julietta qui a un amoureux. Non. Si, parce que t'es plus vieille. T'es plus vieille. Regarde. Que nous. 10, 9, 8. Bah voilà. C'est toi. Si, si. Nous, on est tout petit, nous, on est une taille de minuscule. Pourquoi tu rigoles comme ça? Parce que j'ai envie. Tu es malade. Et Joe? Quoi? Quand tu seras grand, tu vas marier qui? Avec Sephora. Personne? Avec Sephora. C'est qui? C'est ma petite amie. On arrive à la fin de l'année, c'est vrai, c'est une étape importante parce que vous avez passé un an ici. Et bon, bah, moi je suis content de la fin, hein, de cette année. Jamais content parce qu'on va se quitter, on va se séparer un petit peu. Hein. Alors après, c'est comme les petits oiseaux qui s'en vont du nid. Et puis, hop, il faut aller ailleurs. Il y en a beaucoup qui vont déménager, monsieur Gilles. Il y en a beaucoup qui vont déménager, il y en a... Peut-être d'autres qui retourneront dans leur pays, comme Nicolas, qui est en train de faire les maths en ce moment. Bogdan, il va pas retourner pour l'instant dans son pays, mais Nicolas s'en va au mois de décembre. Toi, tu souhaites aussi repartir, hein, mais peut-être plus tard, quand tu seras plus grande. Pas les vacances qui viennent, les prochaines. Ouais. Ma mère, elle a dit qu'on allait partir en Équateur une semaine. Bon, mais pour les vacances, mais peut-être que quand tu seras plus grande, tu retourneras aussi là-bas. Mais si je vais, l'année prochaine, on grande vacances. Bon, mes parents, ils ont dit qu'on va aller au Brésil, rester un mois de vacances là-bas. Très bien. Il y a des choses sur mon Brésil, j'arrive même pas à parler maintenant. Ah, il faut regarder un peu, hein.
dans ta tête, hein. Ne laisse pas, n'efface pas toute ta langue maternelle. Oui, j'arrive à écrire, j'arrive à lire, mais il y a quelques mots que j'arrive pas à quand dire. Tu parles, oui. Moi, je sais trois langues. Qu'est-ce que tu connais, voilà? L'italien et... L'italien, oui. Le roumain et... Le roumain. Le français. Le français, bah oui, c'est formidable, hein. Vous avez beaucoup de chance. Parce que c'est ma mère qui est de l'italien. Oui. De l'italien, c'est l'italien. L'italien, il m'apprend. Elle t'apprend, bien, bien sûr, c'est très bien. Vous avez une richesse, vous, hein? Parce que quand vous allez aller dans les classes de collège, de lycée, bah vous allez connaître plus de langues que les camarades avec qui vous allez être. Et puis, vous savez, maintenant, quand on cherche du travail et quand on connaît plus de langues, c'est plus facile aussi pour trouver du travail. Donc c'est bien, tant mieux. Bravo, hein? Moi, je vous admire, hein, tout ça. Trois. Tourne, tourne le monde à la mort. Allez, les garçons. Allez, on y va.